people, so sorry, I'll just make a brief introduction. I think we'll mostly speak French, but I don't know also how much time you can stay, how long you can stay with us. How much time do you have? 40 minutes, okay. So maybe I'll start in English while you're here, and maybe after that we'll move to French. So this is a workshop dedicated to open government. So I'm part of ETALab, and also there is the rest of the team here. So ETALab, it's the French task force attached to the Prime Minister office and also attached to the Secretary General for Government Modernization. And ETALab, so it was created in 2011. And so mostly on the mission to coordinate the open data policy. So opening the data means opening the public data and make them available to and free to use by any citizen, by anybody. And so for that, we have created a portal, which is called data.gouv.fr. And we are also working with all the ministries to help them open their data. So mostly the benefits of this open data policy is, first of all, by sharing the data. So data which are not confidential or with intellectual property, and this data or private data. So data which could be shared or not protected by secrets, which could be shared by with anybody. So the main benefits of opening this data is, first of all, to foster democracy, to be more transparent, to give more accountability also on the public action. So and also to give resources to empower citizens to build their own views with this data and to make their own point of views. Also, it's the second benefit is to give resources for also for the community to create new things, so to foster social and economic innovation. So for instance, startups can use this data to build new services, create or expand public service, and potentially also create jobs. So it's also a resource that could be used for the economy and for business innovation. And another benefit would be also to develop more efficiency within the administration itself, because by sharing the data with other departments of the administration or other ministries, it breaks silos, it allows a better flow of information and a better circulation. So it's also a lever to optimize public policies, and also to have data-driven public policies, because public policies could be developed using data to be more efficient. So it's mostly the main benefits of the open data policy. And so that's what ETALab is in charge of. But more recently, we've joined a partnership that Paul is representing today, which is called the Open Government Partnership. So Open Government, I'll leave it to Paul to give his definition of what open government means. So and then so I'll present in more detail the French action on open government, and specifically, and that will be interesting also for us to have this discussion with you today, is that because in this partnership, any member country has to develop a national action plan with some commitments co-built with the civil society, where ministries, agencies, government make commitments to promote open government for the next 2 years. And so every 2 years, those action plans have to be renewed. So France has joined the OGP in last April. So now we are starting the process of building this action plan, and it will take something like 6 months. So we are here experimenting also the first sessions to collect ideas and start building this action plan with you.
So it will be probably the second part of the discussion. And we also have Lancelot Péquet here, who is representing République Citoyenne, and who will also present what the civil society has started doing in also suggesting some first ideas to be put in this action plan. So Paul, I'll leave it up to you to present in more detail the DOGP, and then I'll speak again. Okay, thank you, Laure. Let me know if I'm not clear, if the connection fails. It's a bit strange to talk into a computer. You can see me, but I can't see you. But let me tell you a bit about the Open Government Partnership. So it started in 2011 as the idea of 8 countries and a dozen or so civil society organizations. And the people that were in the auditorium yesterday might have heard me say some of these things already yesterday. The idea was really simple. I mean, there are a couple of bigger trends in society that made this group think that something like an Open Government Partnership could help create space for reformers and create innovation and learning around doing things differently if you talk about policy making. And some of these trends were, for example, that in many countries we see a growing distrust of citizens in their governments or leaders in general. We see in some countries, on the positive side, countries embracing the opportunities of open data and of technology, like France, but also the UK and the United States. Corruption is still a big issue in many countries around the world. And what you saw a decade or so before is that around certain topics, for example, development aid, there was a big push for transparency and increased governance. The aid sector is one sector, the extractive industry is another sector. Budgets, there was a lot of dynamic around opening up budgets. So all of that sort of were elements that inspired them to think of the Open Government Partnership as a platform, an international and a national level platform, in which government and civil society could work together, especially government and civil society, but also other actors in society, in making very concrete commitments around open government. And open government, the beauty of OGP is that it stays quite far away from defining big concepts like what is open government, what is transparency, what is accountability, not to shy away from it, but to be fair to the fact that the context, the local context, is very important in understanding these concepts and knowing what is realistic, what is ambitious, what is not ambitious. So there's a lot of space for a context-specific interpretation of these concepts. But it was very much about 4 main concepts: transparency, accountability, participation, and the role of technology in making that happen. And like I said, there's a national and an international element to it. The national element is very much about at the core of OGP. At the core, OGP is a domestic mechanism, where, as Laure was saying, government and civil society have a dialogue together, work together, partner together, to think through what the priorities would be in changing government and making it more open. And the international element helps in bringing in peer exchange, knowledge from other countries, inspiration, energy, but also pushing countries in a race to the top, if you want. So 3 years down the line, there are 65 countries now. Collectively, they've made up to roughly 2,000 different commitments around open government. And the countries sign up when they join to the principles and values of open government. But like I said, they also sign up for this very concrete domestic process, which has at the heart 3 elements. One, a dialogue between government and civil society. And this is not sort of something to be taken for granted. There are a lot of countries around the world where civil society for a long, long time has pushed for a seat at the table. And in a way, in the mechanism of OGP, they've gotten the seat at the table in developing the national action plans, but also in governing OGP. The second one is, out of that dialogue should come
a concrete action plan at the national level. And the action plan should have a set of commitments, and I'll come back to that, that should be concrete but also ambitious. And the third one is, like I said, countries sign up to the values and principles, and with a lot of international declarations, that's basically where it ends. And no one checks on progress on these values and principles. But OGP from the beginning has built into it a mechanism called the independent reporting mechanism, which independently monitors how countries are doing both on the process, but also on the delivery of the commitments. And the international level, like I said, adds to that a solid dose of innovation, of competition, of constructive conflict, if you want. So France is at an important point now in developing its first action plan. And it's always, the first one is always the most difficult one. But I guess the advantage is that around 60 countries have done this before now, and we've known and figured out where the challenges and the difficulties are in the OGP model. So in that sense, there's nothing stopping France from being best in class and being extremely ambitious. A little bit of pressure. If you look at what's most important in this phase, like where you are just started and you're starting to develop your first action plan, first of all, it's an opportunity to develop the process of how France does OGP and how civil society in France does OGP and where it pushes on and where it doesn't push on. Second, it's the right moment to define the framing and the focus of the national action plan. And I'll come back to that, but there's quite a bit of choice there as well. And third, this is the moment where you should start thinking about how you want to set up the way of working together after the consultation. So what is the way you want to co-manage, co-implement, co-govern OGP? So let me step back to those three. So there's development of the process of developing the action plan. There is the framing and the definition of the commitments itself. And it's thinking through how you want to organize afterwards. So on the first one, on sort of setting up the process, there are a couple of guidelines that OGP gives, which are, I won't go into all of them, but which are you should, the government should do awareness around OGP so that society at large, citizens know how to participate in OGP, understand it and take part in it. Another one is government should advertise in far enough in advance the opportunities for consultation. And consultation should be not just online, but ideally a combination of different channels. And a final one to highlight, there should be a very, very well-defined way of documenting the input received and providing feedback to the broader community of how they want to be, how these sort of suggestions are integrated into the action plan. That's what I wanted to say. So important in this phase is that the process developed is takes enough time. So the 6 months that Laura was talking about isn't unrealistic if you really want to do a very solid consultation and then sort of combining all the inputs, thinking it through, having negotiations and discussions and coming up with an action plan. And in the meantime, also on the government side, making sure that there is commitment and support within the bureaucracy, within the political layer of government as well. Important here is, like I said, to combine online and offline consultation forms. What's possible, what's realistic, what's convenient will depend on the country where you're in and the experience you have in sort of open policy making. Two examples. In Ghana, for example, the government and civil society organized a consultation together in which they explicitly went into the region, so outside the capital, to have in-depth dialogue with citizens about what their priorities would be around open government. Next to consultations in the capital with the more professional civil society with a more professional advocacy agenda. So they combined both. Sierra Leone actually went to the diaspora outside Sierra Leone itself to also get additional input from people that are not living in the country anymore. Georgia not only went to the countryside together with civil society and government, but they really developed the process
together at the same time. Important here is also to think beyond the usual suspects. So many countries, it's challenging to involve civil society in a process like this. It's very difficult, it's time consuming, and it's even more difficult to find appropriate ways to involve the citizens in it in a suitable way. For example, in the Netherlands, the government has really, really been trying to get civil society, the professional civil society involved in the process, but there is just not that many organizations in the Netherlands working on these topics. So what you see in many countries is that a couple of organizations are active in a whole range of OGP countries. You see them being part of the process. Transparency International is one, the Open Knowledge Foundation is one, Publish What You Pay is one. So some organizations you see coming back in different countries. The solid documenting of the input and providing feedback on it. It's a lot of work on the government side, but if you talk about open policy making and transparency and accountability, it goes without saying that it's extremely important. One example of it was the UK, where the government and civil society had quite a bit of back and forth on whether all the input should be published alongside the action plan, yes or no, and if that would then also include the feedback, the candid feedback often from the ministries of why certain suggestions were or were not included. In the end, I think they did it at a consolidated level, but they were pretty transparent about what they received and how the government reacted to it. Also important here, early on, clarity on where the political spaces and the political champions are. An example for Costa Rica, civil society really wanted a new access to information law or an access to information law. And the government was very clear that in the current setting of parliament and politics, they could include it in the action plan, but it would not be delivered. So, you know, better to prioritize something else. So it's important to understand early on what's possible and what's not possible. Important to know is, like I said, OGP has guidelines and also additional guidance on how to, with best practices around consultation. And the independent reporting mechanism also checks this part of the process, and they will check if the consultation was inclusive, if it was well advertised, if there was sufficient awareness raising, etc., etc. Going to the actual commitment. So, like I said, it's very important the context of what is realistic, what is important, what is ambitious. What's ambitious in France might be not ambitious in Germany or the other way around. But it is important that the action plan, in a way, resonates the important topics in the country and is not like a corporate social responsibility little project on top of a big dirty business, so to say. So the priorities in the plan, in a way, should resonate the priorities at a country level. That said, OGP defines five grand challenges that define, in a way, the space of open government. And it's up to a country to decide if they want to have commitments on all five or on only one. And they're very big, like container concepts. So the five grand challenges are improving public services, increasing public integrity, more effectively managing public resources, creating safer communities, and increasing corporate accountability. And especially those last two, the safer communities, which includes transparency around the military and the justice, for example, or environment area, and the corporate responsibility ones are ones that if you analyze the 2000 commitments, so to say, the ones that we see least in the action plans. What we see a lot are commitments around open data and e-government, in which it's important to realize that, again, the independent reporting mechanism, they analyze every commitment. And if it doesn't have an element of transparency and accountability or participation in it, but just a technology element, then it doesn't qualify as an open government commitment. So if it's just a commitment to purely around e-government or around making a government process like, you know, asking for a new driver license and making it electronically, that's not open government. In the first action plan for civil society, important to hear, I mean, across the board, it's not bad if the action plan includes some elements of
things that were already promised before. I mean, it's almost inevitable, especially in the first action plan. And in the first action plan, it's also extremely important to focus on building a partnership and building understanding. So some repackaging of old stuff is okay, as long as the action plan also includes some really ambitious new asks. It's better to have a few well-developed commitments than a long, long shopping list. There are action plans with over 70 commitments, which is very difficult to manage for any government, even for bigger governments. So it's better to have a few very clear, very strong asks. Civil society should be strategic in what it asks for as well. I mean, if civil society asks for 70 things, and in some countries, like in Costa Rica, civil society got almost everything they wanted, then you also create a lot of work for civil society. So civil society sitting together and thinking through, okay, the next 2 years, what is our big opportunity? Is it an access to information law? Is it a proactive transparency regime? Is it a big step forward on corporate transparency? Think strategically on what sort of the commitment should be. And if you provide input in any consultation, it's really helpful for the government and for civil servants that you know, are as any person at times lazy. It really helps if you really already write it as a commitment almost, with the rationale added to it, and not just send them an advocacy document you wrote last year and say, well, everything is in here, have fun. So as concrete and specific as possible, providing input as concrete and specific as possible also improves the chance that it actually will end up in an action plan. And the commitments in that plan should be as smart as possible. It should be clear what the objective is, who is responsible, what the timeline is, where the budget comes from, etc. So that's on the framing and the defining of the commitments itself. And then finally on using this time as well to set yourself up for proper implementation, monitoring, and partnership down the line. OGP, one of the guidelines OGP gives is any country should identify a new or an existing forum to continue the consultation after the development of the action plan. Now, I think the word consultation is a bit ill-chosen. What it means is basically continuing the dialogue, or if you want, and many countries do that, figuring out a way to co-manage or co-govern OGP on an ongoing basis. Some countries do it by creating a national steering committee like Malawi or Ghana. Other countries have more like a more open forum like Georgia, where government and civil society alternate chairing their national OGP forum. So there's really a diversity in how you can do it. In Mexico, they really, really co-own the process. It's not sort of they almost see it as if it's not the government who is a member of OGP, but they really see it as government and civil society jointly being a member of OGP. So there are many, many flavors there, but having a forum, having regular interaction, having a clear terms of reference on the roles and responsibilities is really helpful down the line. In the beginning, meeting very regularly with a group of civil society and government officials is important, because it will give you the opportunity to build that partnership and to start learning each other's language. So those are all very important. And thinking through if government or if civil society wants a role on the inside with the implementation, with the monitoring, or what aspect you can think of. A very successful model in that is what the US has, and some other countries by now as well, is that they have sort of created small teams around specific commitments where you take joint ownership of implementing that commitment, where civil society can bring expertise and connections, and where government in the end obviously is responsible for delivering it. But having the small teams can help in keeping the energy and keeping the pace going. Finally, yes. Can you just wrap up in not too long, because we just would like to keep some time for sharing ideas and contributing. Yes, I had like 10 seconds left. So finally, I think
most important in the phase where France is in now is to realize that all the beginning is difficult. So it will be, you know, partly frustrating, but it's the beginning of hopefully a long-term partnership. So take that into account when you don't immediately understand each other or don't immediately agree. And the most important, focus on a few solid commitments and prepare now for how you want to organize yourself going forward. That's it, Laura. Okay, thank you so much. Thanks, Paul. So it gives us a very concrete view. And thanks also for sharing some examples of how other countries got organized to build and elaborate this action plan. I don't know, maybe while you're here, I don't know if, maybe I'll take questions already from the room. Are there any questions dedicated to Paul, because he will have to leave us in not too long, on other countries? Paul? Yeah, Paul? Yes. Ah, yes. So I'm taking a question. Can you hear me? Yeah. I'm taking a question from the room. Hello, Paul. Thank you very much. I heard that you talk about Mexico. Can you explain a little bit what is the situation of the open government project in Mexico? If you know something. Because we have a friend from Mexico here. But I can also connect you to Paul and to the team in Mexico, but I'd like to keep some time for France. Okay, so very, very briefly, I think, yeah, we can continue this one offline. Mexico at the moment is chairing OGP. I mean, they're the international lead country on OGP. They're in their second action plan. They've been quite innovative in defining their action plan in a very co-creative way between government and civil society, and also the information commissioner, IFAI, in it. So from as far as I can see, they're one of the inspiring stories within OGP. I can connect you to Paul, and we can talk also about Mexico. Another question. Hi, do you think we have to build free software infrastructure for open source, open data, open government? There is a connection between these two things for you? it must be very difficult. So I mean the connection between open, I'm not going into detail because it basically that was the essence of my my keynote yesterday morning in Paris, the connection between open source, open data and open government. And I'll, Laura, if you take the contact details, I'm happy to sort of share my my notes on that, and we're also turning it into a blog post. But I mean, there is a clear connection both at the level of principles and at the level of practice between open source, open data, and open government. But I don't want to steal more time from Laura and France. No, it's okay. I'm not confiscating the. Oh, there are other questions? Hello, my name is Katja. This is also not a question on France, but I'm researching a little bit how open data can help to fight corruption in education systems, and I was wondering if you have any, because I feel like the information about it is quite scarce, and I was wondering if you have further information. You said you are working with Transparency International, and yeah. Okay, now you can talk. Okay, sorry.
So there's a couple of linkages between education and open data. You have quite a few projects, especially around Asia, that very nicely connect sort of the quality of education with open data. Project like Check My School in the Philippines. In East Africa, I think there's quite a bit of work done around education and making the financial streams clear, which comes very close to corruption, obviously, making the connection between, okay, what leaves the central government in the capital and what actually in the end arrives at the school, and where does it go in between. And so there are quite a few organizations that work on that, but a good starting point is an organization called Twaweza that works in the whole of East Africa, and education and health are some of the key areas they work on, and making the financial streams transparent is one of the things they've worked on. Can you say again, Paul, the organizations you mentioned? Yeah, so in the Philippines is Check My School, and I think it's just checkmyschool.org or something like that. In East Africa. And in East Africa, it's Twaweza, which is T. Can you spell it? T W A W E Z A. Okay, thanks a lot. I'll also type it for Bea-Marie so she can see. Okay, one more question for you. One last? No, it's fine. So, Paul, you're welcome, of course, to stay with us. I'll give the microphone to Lancelot, who will present also what he started doing. But so if you can hear us, that's perfect. Okay, so Paul has left. Are you here? Yeah, I just wanted to say that I'm going to quote you right now. So, but it will be in French, unfortunately. Bon, alors, je vais parler en français parce que, comme la dernière fois que j'ai parlé à l'Open World Forum d'Open Government, j'ai estimé que c'était nécessaire de le faire en français et je continue d'estimer que c'est nécessaire de le faire en français. Mais je vais citer Paul qui dit « La société civile doit être à la fois annoying and supportive ». Donc c'est à la fois agacer le gouvernement et en même temps essayer de l'aider quand il fait des choses bien. Donc c'est ce que je vais essayer de faire dans la présentation qui vient. Est-ce qu'il y a des gens qui étaient hier à la présentation de VLC sur comment on résiste à un projet quand les lobbying essayent de l'attaquer, un projet libre? Voilà. J'ai eu une petite discussion après sur le sujet qui était tout à fait intéressante et je vais parler un petit peu de ça aujourd'hui. Et il disait d'ailleurs, malheureusement, on n'est plus jamais invité maintenant. Enfin, on n'est pas invité parce qu'on dit des choses qui dérangent. Bon, alors j'espère que je serai quand même invité à l'avenir. Je ne sais pas à qui je dois donner ça. C'est à toi? Non, c'est à toi. Oui, en principe, ça ne devrait pas être trop long pour garder du temps justement pour la suite. Donc aujourd'hui, ça s'appelle... c'est du PDF, ça. Voilà. Donc de l'Open Data à l'Open Gov, le rôle de la société civile. Et donc, je veux bien le slide suivant tout de suite. Voilà, juste vous dire en deux mots ce que c'est République Citoyenne. Donc c'est une association qu'aujourd'hui, de fait, c'est-à-dire qu'il y a... c'est un groupe de gens, quoi. Voilà. À but non lucratif, sans orientation politique, en tout cas aucun parti, rien du tout, etc., même si on a des convictions. Et l'objectif, justement, c'est d'essayer d'aider les citoyens à se forger des convictions. C'est essentiellement ça l'objectif de l'association, c'est essayer d'aider les gens à réfléchir. Et éventuellement, s'ils réussissent à se mettre d'accord sur un certain nombre de choses, ou s'ils sont en désaccord sur un certain nombre de choses, de le faire savoir. Donc le slide suivant, s'il te plaît... Ah, mince. Viens. Ah bah mince alors. D'accord, rebooter peut-être. Sinon moi j'ai mon ordi. Bon alors c'est dommage. C'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais sortir mon ordi, puis vous verrez pas les slides. Mais
Bah, disons, comme ça, c'est mon fil conducteur, alors c'est bien. Ah, mince. Il est toujours en ligne, hein, celui-là. Oui, il entend toujours. Oui. Il s'est bloqué, non ? Oui, c'est Alt-F4. Il est bloqué ? Ça vient de se débloquer. Non, c'est pour lui. Non, mais c'est bon, ça a marché. Si, non, mais autant le faire sur l'ordinateur. La présentation, c'est bon. Ok. Alors. Donc, j'en profite pour votre information, c'est qu'on fait. Des échanges qui vont tous les échanges qui ont lieu, mais du coup, on a la petite synthèse et elle est disponible sur le Framapad. Mon adresse est à droite sur le paperboard, donc ça veut dire que chacun peut se connecter et rajouter s'il y a des points clés qui ont été oubliés, s'il y a ça même des commentaires à faire sur le Framapad ou autre. Alors, je reprends le micro du coup. Voilà donc. En deux mots, pour ceux qui seraient arrivés en retard, donc le gouvernement ouvert, on va dire pour résumer très rapidement, c'est trois principes, transparence, participation, collaboration. Juste pour rappeler aussi ce que c'est que la société civile, parce que ce n'est pas un concept qui est forcément très connu en France. Vous regardez sur Wikipédia, c'est l'ensemble des associations à caractère non gouvernemental et but non lucratif. Et je précise donc de ce point de vue-là qu'il faut bien entendu de la diversité et que la société civile, c'est un concept, mais ça va forcément une réalité. Donc pour République citoyenne, c'est un point de vue parmi d'autres. Alors voilà, donc nous République citoyenne, face à ce choix qui consistait à prendre la blue pill ou la red pill, on n'a pas trop bien compris ce que Morpheus voulait dire, donc on a pris les deux. Alors ça a des effets assez intéressants, c'est-à-dire que d'abord, on aime bien le gouvernement ouvert, et on essaye de le pousser, de faire un certain nombre de choses autour de ça. Donc il y a par exemple ce travail de coordination de la... du guide du gouvernement ouvert en français, donc qu'on a lancé avec, j'allais dire, une coordination au niveau international avec l'OGP, et puis différentes associations qui travaillent sur ça. Donc on a travaillé pour essayer de traduire ce guide du gouvernement ouvert. Il y a beaucoup de chapitres, beaucoup de sujets qui sont abordés. Je ne rentre pas dans les détails, mais juste pour vous dire que c'est quelque chose de vivant, juste pour vous donner un exemple ici, vie privée et protection des données, ça a changé de nom maintenant, ça s'appelle vie privée et open data. Il y a un certain nombre de gens qui discutent de ça, il y a beaucoup de controverses sur ces questions-là. Voilà, c'est un travail en cours. Et puis, il y a aussi des chapitres transverses sur, là, par exemple, un nouveau chapitre qui vient de sortir, la protection du consommateur. Il y a aussi un chapitre en cours sur la sécurité privée et la surveillance. Donc voilà, dans les activités Blue Pill. Donc, le guide, ça sert à aider les gouvernements et la société civile à travers un certain nombre de bonnes pratiques, théoriquement, en tout cas un certain nombre de pratiques qui sont recommandées par un certain nombre d'organisations pour améliorer le gouvernement ouvert sur ces sujets. Donc, par exemple, comment on améliore les services publics, comment on améliore l'engagement citoyen, comment on améliore les budgets, en mettant plus de transparence, plus de participation, plus de collaboration. Et donc, nous, au niveau de République citoyenne, on a voulu mettre en place un wiki pour essayer d'aider la société civile à discuter, à identifier des points de convergence et à essayer d'identifier des controverses. Puisque dans Wikipédia, ça vous est déjà arrivé de tomber sur une page où les gens ne sont pas d'accord et y a écrit « les gens ne sont pas d'accord sur ce sujet, il y a ceux qui pensent A et ceux qui pensent B voilà. ». Donc, un wiki, ça nous semblait utile pour pouvoir faire ça. Donc, on l'a mis en place. On a créé une structure, on a mis en place tout ce qu'on avait traduit dans le guide du gouvernement ouvert. Donc c'est prêt à accueillir la discussion et on a même commencé cette discussion avec un certain nombre d'organisations. On participe aussi donc, à la conférence de Paris, ou à la conférence de l'OGP à Dublin, ou à la conférence de l'OGP à La Hague, ou plus récemment à la conférence de l'OGP à New York. Et on essaye d'informer aussi les gens sur ce qui s'y fait. Donc ici, vous avez le président sud-africain qui dit « nous voulons une gouvernance ouverte à visage humain », ou on a le président américain qui a fait un discours qui était en anglais et qu'on a traduit en français pour le rendre accessible et pour que les gens voient ce qui se passe dans ce genre de manifestation. Bon, alors voilà, on a aussi mangé la red pill. Donc ça veut dire qu'on est aussi critique vis-à-vis de ce que c'est que l'open government et on invite les gens à se poser un certain nombre de questions sur le sujet. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler un petit peu plus de transparence. Je vous invite à réfléchir à par exemple cet article de Evgeny Morozov sur la transparence.
et sur l'open washing et sur le fait qu'il y a un certain nombre de choses qui sont présentées. Alors, je ne parle pas forcément d'initiatives au niveau gouvernemental. Hein. Ça peut être aussi bien des entreprises, ça peut être des collectivités locales, ça peut être aussi le gouvernement. Voilà. Mais en tout cas, ça existe partout dans le monde. Donc, on peut se poser la question de... Donc, en tout cas, on peut avoir une certaine vigilance par rapport à ça. Un exemple en France sur lequel on a eu une action particulière, c'est la déclaration des droits de l'homme numérique. Donc, il y a quelque chose qui a l'air super bien en apparence et qui a été assez fortement contesté par un certain nombre d'organisations qui ont signé une déclaration conjointe pour expliquer que c'était précisément voilà, un mélange des genres qui était pas très très sain. Et puis, plus récemment, y a par exemple Mediapart qui a parlé de corruption, il y a Transparency International qui a mis 2,7 sur 10 à la France en termes de corruption, et on s'est demandé si, effectivement, le terme oligarchie déguisée en démocratie, ça pouvait pas aussi avoir, je veux dire, des tenants et aboutissants en matière d'open government. Donc, on a plus particulièrement essayé de réfléchir à ça. Et alors, si vous regardez, par exemple, il y a quelques jours, il y avait le téléphone sonne, comment améliorer l'encadrement du lobbying en France. Et donc, que disent les lobbyistes? Le lobbying est avant tout une démarche d'information vis-à-vis des pouvoirs publics pour alimenter le débat public. Dans une démocratie, on a besoin de l'échange entre la société civile et les pouvoirs publics. Il faut permettre la participation de tous à la décision. Et avec l'open data, c'est super, tout citoyen lambda peut se transformer en lobbyiste. Donc, c'est juste un tout petit peu... Enfin, en tout cas, ça attire l'attention, le fait que les lobbyistes soient hyper favorables à ce genre de choses. Donc, encore une fois, c'est peut-être vrai, mais ça fait partie des choses qui suggèrent qu'il faut un petit peu de vigilance, quoi. Donc, par exemple, dans les choses qu'on peut se poser comme question, c'est est-ce que sur des sites qui s'appellent pétitions citoyennes, quand on voit contre la vente des médicaments en dehors des pharmacies, est-ce que c'est plus ou moins téléguidé par le lobby des pharmaciens ou pas? Je ne sais pas, mais en tout cas, encore une fois, il s'agit de se poser la question. Et alors, il y a des gens qui disent que le lobbying, que tout le monde fait du lobbying, mais par contre, il y a des lobbyistes qui disent qu'ils ne sont pas d'accord. Si vous regardez par exemple sur cette page-là, il y a un lobbyiste qui explique que le lobbying c'est un vrai métier où il faut des diplômes, il faut être très très fort, et que les gens qui prétendent faire du lobbying alors qu'ils sont juste des associations, c'est pas forcément des vrais pros. Et donc je vous propose une définition alternative à celle qui est organisée par les lobbies eux-mêmes, qui est que, et que d'autres associations au niveau international le proposent, c'est que l'advocacy, le terme anglais advocacy, c'est informer un individu ou un groupe d'un point de vue. Et que le lobbying, c'est user d'un certain nombre de méthodes qui peuvent parfois aller jusqu'à la manipulation, qui incitent un groupe, un individu ou un groupe à agir, parfois même inconsciemment, au bénéfice de la cause défendue. Et il y a même une terminologie autour de ça qui s'appelle l'astroturfing. Donc c'est technique de propagande utilisée à des fins publicitaires ou politiques, ou encore dans les campagnes de relations publiques, ayant pour but de donner l'impression d'un comportement spontané et ou d'une opinion populaire, alors qu'il n'en est rien. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est largement théorisé, c'est largement utilisé aussi. Donc, vis-à-vis de la démarche d'open government, encore une fois, il y a des choses qui sont très positives et on est à fond dedans. Et il y a aussi un certain nombre de choses qui demandent beaucoup d'attention et qui nous incitent, nous, à inviter les gens à se poser des questions. Et donc, par exemple, notre paradoxe par rapport au wiki, c'est que du coup, il faut aujourd'hui qu'on en restreigne l'accès, alors qu'on l'avait ouvert plus largement au départ. Bah pour éviter précisément ce qu'on vient de dire. Et d'ailleurs, on va changer le titre, puisque en fait, c'est pas proposition de la société civile, ça sera peut-être plus proposition de République citoyenne et des gens qui ont été amenés à discuter sur le sujet, pour enlever toute forme d'ambiguïté. Et donc, comme disait un philosophe anonyme, ce qui est important pour nous, c'est pas que vous pensiez comme nous. Et encore une fois, nous sommes une diversité de gens qui ne pensons pas du tout la même chose les uns les autres. Donc voilà. Ce qui est important, c'est de penser, surtout. Et voilà, donc, comme on doit faire un atelier participatif, moi, il y en a... En tout cas, il y a un sujet sur lequel j'aimerais vous inviter à réfléchir, c'est l'engagement citoyen, y compris dans une dimension critique, c'est-à-dire essayer de se poser la question quand un pays, une collectivité territoriale, incite les gens à s'engager, quelles sont les mesures concrètes qu'on peut mettre en place pour essayer d'éviter que ça se transforme en ce qu'on a vu juste avant. Merci Lancelot, c'était effectivement un éclairage très intéressant. Et oui, ça marche toujours. Et du coup, je pense qu'on pourra utiliser ce que tu viens de citer pour lancer la discussion avec vous juste après. Donc moi, pour garder vraiment du temps pour ce débat, enfin à moins qu'il y ait des questions, pardon, pour Lancelot tout de suite. Oui.
Merci beaucoup pour la présentation. En fait, vous voulez demander quelle est l'importance que vous considérez ou quelle est la prise en compte réelle des enquêtes telles que Havas dans la prise en compte de décisions politiques ou dans la prise en compte dans l'agenda politique d'un pays. Parce que je vois qu'il y a énormément d'enquêtes comme ça, de sondages. Et quelle est la réelle prise en compte de ces enquêtes dans l'agenda politique? Merci. Merci. Une précision pour le Mexique. Il y a Angie Navarro qui a travaillé avec République Citoyenne tout l'été, qui est activiste au Mexique. On en discutera après. Mais voilà, c'est quelqu'un qui est mexicaine et qui a travaillé avec République Citoyenne. Pour répondre à la question, donc aujourd'hui, c'est de plus en plus important parce qu'en fait, les pétitions, alors que ce soit Havas, que ce soit change.org, que ce soit voilà, tous les systèmes en fait de création de pétitions, même si au départ ils sont pas mal intentionnés, hein, on peut partir du principe qu'ils ne soient pas nécessairement, ils peuvent être instrumentalisés d'une certaine manière. Et eux-mêmes, dans un certain nombre de cas, expliquent que c'est un outil démocratique qui a fait changer ou qui va faire changer les choses. Donc il y a pas mal d'articles qui existent plutôt en langue anglaise. Aujourd'hui, en France, on n'a peut-être pas encore pleinement réalisé ça, mais qui expliquent en quoi ça peut présenter un certain nombre de difficultés. Parce que, par exemple, un homme politique qui fait face à une pétition de 400 000 personnes qui lui demandent de faire quelque chose, c'est difficile pour lui de dire non. Donc... Alors, non, mais j'ai pas dit que c'était impossible, j'ai dit que c'était difficile. Et voilà, donc en fait, tout est possible. C'est-à-dire que parfois, il y a des pétitions qui sont... tout à l'heure, il y avait un slide avec écrit AstroTurf Grassroots. Bon, donc il y a des gens qui spontanément essayent d'organiser quelque chose et essayent de promouvoir une cause pour faire progresser la démocratie. Et j'allais dire, dans ce cas-là, ça a plutôt un effet positif sur le pays. Dans d'autres cas, ça peut avoir un effet négatif sur le pays. Mais ce qui est important, j'allais dire, c'est d'être capable... De mettre en place un certain nombre de critères de qualité, on va dire, pour les gens, pour essayer de comprendre quand une pétition sort, est-ce que c'est une pétition qui sent un petit peu bizarre, et à ce moment-là, on va aller vérifier un certain nombre de choses, ou est-ce que ça a l'air, après tout, d'être pas mal, sachant que dans tous les cas, les systèmes de pétition sont des systèmes dans lesquels vous allez rentrer vos coordonnées personnelles, dans lesquels vous allez donner des informations... qui sont peut-être critiques sur votre propre conviction politique, et que après, si ces informations elles sont revendues ou qu'elles tombent dans les mains de gens qui vous apprécient pas, ça peut poser un souci aussi. Voilà. Oui, François Liadulac, une question sur la définition que vous avez de la société civile. Vous avez mis en avant les associations. Alors, moi, je me souviens, en 2003-2005, il y a eu le sommet mondial pour la société de l'information. Pour la première fois, dans un sommet mondial, il y avait la société civile. Il y avait des associations, des entreprises, des collectivités locales. Alors, ça m'amène à ma question. Est-ce qu'il y a un rapport entre votre initiative et puis ce qui reste de la société civile qui a participé au SMSI en 2003-2005, l'idée étant, dans un certain nombre de open initiatives, si on pouvait ne pas réinventer la roue? Je ne sais pas si j'ai tout à fait compris la question, à vrai dire, mais il y a aujourd'hui dans la manière de s'adresser à la... Enfin, déjà, la société civile, c'est un terme sur lequel il n'y a pas, une seule définition. Donc là, j'ai donné une définition qu'il y a sur Wikipédia. Il y a d'autres définitions. Il y a même des discussions autour de ces définitions-là. C'est comme autour de lobbying. Hein, je veux dire, lobbying, il y a des les lobbyistes aiment bien dire que tout le monde fait du lobbying. Comme ça, c'est pratique. On ne peut pas dire les lobbyistes, puisque même Transparency fait du lobbying. Et je veux dire, aujourd'hui, Transparency explique qu'il fait du lobbying. Donc, on ne peut pas parler des lobbyistes. Voilà. Donc, pour la société civile, c'est aussi quelque chose qui peut prendre plusieurs formes. Aujourd'hui, par exemple, il y a des gens, les lobbyistes, justement, ceux que j'ai cités tout à l'heure, disent « nous, on est la société civile ». Les lobbyistes disent « nous, on est la société civile ». Donc, le problème, c'est qu'à partir du moment où les mots n'ont pas le même sens pour les différents types d'auditeurs, on ne sait plus de quoi on parle, quoi. Donc, la difficulté, c'est d'essayer de trouver une terminologie et de ne pas se la faire détourner, piquer, je ne sais pas quoi, instrumentaliser, et d'être sûr qu'on parle bien de la même chose, et après on peut discuter, quoi. Voilà. Donc je ne suis pas sûr d'avoir exactement compris la question, mais en tout cas, moi, le terme société civile tel que je l'ai employé moi ici, ça désigne bien les associations à but non lucratif, et j'allais dire même au-delà de ça, parce que sans trop d'influence indirecte, parce qu'il y a des associations à but non lucratif qui sont créées de toutes pièces pour pousser, voilà, enfin ça existe, c'est classique.
technique classique d'astroturfing. On crée des associations et puis après, on leur fait dire des trucs qui nous arrangent. Voilà. Bon. Donc, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, en même temps, c'est une vaste question. Ça me paraît un usage extrêmement restrictif de l'expression. Je vais prendre un exemple d'usage. Lorsqu'au Parlement, on demande de faire rentrer la société civile au Parlement, ça veut dire éviter que ce soit seulement des fonctionnaires et faire venir, eh ben, par exemple, des médecins ou des chefs d'entreprise. Ça n'a rien à voir avec des associations. Donc, je répète, moi, je faisais partie de la délégation française au SMSI au titre de la fonction de la société civile. J'étais élu local. Donc, les collectivités locales font partie aussi de la société civile. Ça ne pose aucun problème qu'on puisse définir la société civile de X manières différentes. La seule chose qui est importante, c'est que quand on en parle, on sache bien de quoi on parle. Donc, le fait qu'on puisse employer le terme société civile dans ce contexte-là, ça ne pose aucun problème. Mais moi, ce dont j'ai parlé, c'est ça. Et donc, je pense qu'il y a des lieux pour discuter avec les collectivités locales, avec les entreprises, avec tout ce qu'on veut. C'est très important d'écouter tout le monde. Mais à un moment, il ne faut pas que tout se mélange d'une manière... d'une manière incompréhensible, et qu'après on ne sache plus qui dit quoi, qui fait quoi, qui a dit quoi, etc. Voilà. Juste, je me permets aussi de rebondir, parce que donc, du point de vue d'État Lab, qui est en charge, enfin voilà, qui a rejoint, enfin, qui a coordonné l'adhésion de la France à ce partenariat Open Government Partnership, effectivement, dans le vocabulaire des membres fondateurs de l'OGP et puis de nos pairs internationaux, effectivement, on parle partout de civil society, et c'est vrai que un de nos premiers réflexes, en tout cas du point de vue de la mission à laquelle j'appartiens, c'était vraiment de se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce concept de société civile ? Alors effectivement, on peut batailler, on peut débattre pendant des heures et des heures de ce que c'est, mais bien sûr que... Une des premières discussions qu'on a eues en participant au sommet dont parlait Lancelot, c'était d'interpeller aussi les membres de l'OGP et puis les gens qui étaient assis à côté de nous en disant, mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment ? Parce que c'est assez protéiforme, effectivement. Ça peut être les églises, ça peut être les syndicats. Et donc, effectivement, en France, et c'était ce que je m'apprêtais à dire aussi au début de la présentation là, on a quand même une tradition, un historique de transparence, de devoir de rendre des comptes. Enfin, je finis juste, mais il y a quand même tout un récit qui est porté aussi par les anglo-saxons sur l'open government, etc. Mais nous, on a quand même des choses dans notre tradition républicaine, dans nos lois, dans nos institutions qui existent, quoi. Donc, à commencer par quand même l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui dit la société est en droit de demander des comptes à tout agent public de son administration. Il y a aussi d'autres passages qui invitent les citoyens à participer à l'élaboration de la loi. Enfin, donc, il y a des choses. Il y a des institutions, le service public des archives, le service d'accès aux droits. Enfin, donc, il y a des choses. C'est juste qu'on ne les a pas forcément racontées dans le même registre de récit. Et puis, il faut se le dire, il y a des choses qui ne marchent pas. Enfin, ce n'est pas parce qu'on a mis en place des institutions. Enfin, il y a encore plein de choses à améliorer et c'est tant mieux, quoi. Moi, là où aussi je trouve qu'il y a quand même un changement de paradigme vraiment important, c'est que le numérique aujourd'hui, la révolution numérique, et c'est aussi pour ça qu'on est là, c'est parce qu'on a quand même une affinité avec ce sujet, permet justement de renouveler ces formes de participation et de collaboration entre l'État et les citoyens, permet de les étendre et justement de toucher aussi d'autres parties prenantes qui n'ont pas forcément été associées. De faire en sorte qu'il y ait des choses qui marchent mieux. Mais nous, de notre point de vue, là, dans le cadre notamment de l'élaboration de ce plan d'action, mais ça ne certainement pas, enfin, ça se substitue pas à d'autres initiatives et ce sera pas la seule, et certainement, quoi. Mais en tout cas, on veut essayer de toucher justement des partenaires, enfin, et de faire contribuer le plus largement possible ce qui n'est pas à l'intérieur de l'État. Et je vais même rajouter un point, c'est que la société civile, elle est aussi, enfin, où les citoyens et les innovateurs, ils sont aussi dans la fonction publique, ils sont aussi dans l'administration. Et on voit dans un certain nombre de choses qu'on fait chez État Lab qu'il y a des innovations, des idées, des contributions, et je vais vous en citer quelques-unes, qui viennent aussi d'agents publics, mais qui, à titre personnel, contribuent, développent des choses en dehors. Donc voilà. Donc juste, je ne sais pas si vous voulez encore réagir là-dessus. Enfin,
Simplement une remarque, je ne veux pas me poser la parole. Bon, il se trouve que pour manger, je suis fonctionnaire et j'enseigne la philosophie. Méfiez-vous des remarques sur la démocratie. C'est la démocratie qui a condamné Socrate à mort. Ça fait 25 siècles qu'on réfléchit à la question, donc on n'a pas trop de leçons à donner en termes de démocratie. Méfiez-vous aussi des références au XVIIIe siècle français. Quand nous parlons au monde, nous parlons aussi à des gens qui sont marqués par le XVIIe anglais, à qui on a beaucoup de choses à tirer. Je prends un exemple très concret. Il y a quelques mois, j'ai une amie qui rentre d'un congrès sur les MOOC aux États-Unis et qui me dit quasiment les larmes aux yeux. J'ai entendu des gens qui disaient « on attend la France ». Donc on n'a pas de leçon à donner et c'est plutôt à nous de nous mettre humblement à l'école de la liberté qui vient des pays anglo-saxons. Par exemple, eux, ils détestent la censure. Nous, on adore ça. Voilà. Il y a vraiment des questions à se poser sur Open. Je suis complètement d'accord avec vous et c'est aussi pour ça que, enfin voilà, loin de moi l'idée d'arriver avec arrogance en donnant des leçons de démocratie et de transparence à tout le monde, certainement pas. Mais c'est aussi pour ça, c'est ce qui a motivé aussi l'adhésion de la France, enfin le fait de rejoindre ce partenariat, c'est que c'est justement une plateforme, et Paul en parlait tout à l'heure, de discussion internationale, d'échange entre nos pairs, de stimulation enfin, et de coopétition, et ça nous tire vers le haut parce qu'on voit, on découvre aussi que enfin, ouvrir les données, ouvrir le gouvernement, c'est quand même pas une tâche facile, y compris dans l'administration. Donc on est aussi très content de voir qu'il y a cette communauté mondiale de gens qui mènent enfin, voilà, le même type d'action. Mais il y a aussi énormément de choses, effectivement, à apprendre de plein de pays, quoi. Enfin, je pense juste là à quelques initiatives qu'on a repérées aussi au Mexique, enfin, qui sont vraiment fascinantes. Donc on y va vraiment low profile, certainement pas pour donner des leçons. Voilà, donc je voulais juste, moi, pour qu'on rapidement, donc voilà, vous dire que quand même, il y a un historique et il y a des choses qu'on fait, mais qui sont. Pardon ? Ah, c'est sur l'autre. Qui sont effectivement à améliorer. Donc on a des choses dans notre histoire, mais voilà, le numérique change, la révolution numérique, où on a. Des citoyens connectés partout dans le monde qui ont envie de s'engager, qui ont envie de collaborer, qui ont vraiment enfin, de nouvelles pratiques sociales où il y a une quantité de données qui est aussi disponible. Alors avec bien sûr des questions que ça pose sur la coexistence, enfin, la protection à assurer de diverses libertés autour des données. Mais on a vraiment un contexte quand même, un changement de paradigme qui permet de renouveler beaucoup de choses. Et donc voilà, la mission Etalab, je vous le disais tout à l'heure, l'activité initiale, c'était d'ouvrir les données publiques. Et on a étendu ça donc à l'open government, gouvernement ouvert. Donc effectivement, où c'est globalement un mouvement mondial dans lequel les États s'engagent et aux côtés de la société civile aussi qui les stimule, qui les défie. À être plus transparent, à devoir à rendre des comptes, à être plus participatif et à mieux collaborer justement avec les forces qui peuvent être aussi à l'extérieur de l'organisation et de la sphère des acteurs publics. Et puis donc à utiliser les nouvelles technologies pour faciliter tout ça. Donc c'est une extension de l'activité initiale d'Etalab, mais donc on est en charge de coordonner la position française et puis donc l'action de la France dans le cadre de cette initiative Open Government Partnership. Alors oui, pardon, juste pour vous donner quelques exemples, vous pouvez aller voir sur le site d'Etalab, mais de quelques exemples vraiment de ce qu'on a fait. Donc il y a ce portail data.gouv.fr qui existait depuis la création d'Etalab en 2011 et qu'en décembre dernier, on en a lancé une nouvelle version donc, qui a été inaugurée par le Premier ministre. Et en fait, on a complètement repensé parce que pendant 9 mois, on a travaillé justement avec la communauté, l'écosystème, les innovateurs, des associations, des futurs utilisateurs du portail. Donc dès le début, dans le fait de repenser ce que devait être un portail d'open data, il y a énormément de questions qui se posent. Est-ce que dans ce portail, voilà, on doit aller jusqu'à développer des visualisations de données, développer des services, développer des applications? Ou est-ce que, par exemple, on s'arrête juste dans la mise à disposition de données? Comment doit fonctionner ce portail? Quelle dynamique on doit mettre en place aussi et coder dans le site pour inciter les administrations à ouvrir et à partager leurs données? Comment faciliter et stimuler la réutilisation par le...
l'extérieur par la communauté. Donc on s'est posé beaucoup de questions, on a fait des ateliers justement avec, avec différentes organisations, on a fait une consultation en ligne et puis surtout on a fait une méthode agile dans laquelle on a commencé par redévelopper une première version du portail et toutes les semaines en allant voir les futurs utilisateurs, en faisant venir aussi pour travailler avec nous des entrepreneurs, des web entrepreneurs et puis des codeurs qui venaient du logiciel libre. On a créé ce qu'on appelait une start-up d'État, donc une toute petite structure agile, justement, au lieu de développer ça dans les process classiques de développement. Donc, c'était aussi une innovation dans la façon dont on a conçu le portail. Et donc, une des grandes innovations de ce portail, ça a été d'accueillir dans ce portail non seulement des données qui étaient partagées par les administrations, mais aussi toutes les contributions citoyennes. Donc, tout le monde peut venir partager des données. Et puis, il y a toute une mécanique sociale qui est codée dans le portail lui-même. Donc, c'est non seulement ouvrir les données, mais aussi ouvrir la plateforme elle-même d'Open Data. Et donc, tout citoyen, des entreprises, des associations, tout type de parties prenantes peut venir partager des données d'intérêt général. Et on a une modération a posteriori, c'est-à-dire qu'on a complètement inversé la façon dont le portail fonctionnait habituellement. C'est-à-dire que vous venez, vous créez un compte, vous postez des données, et ce n'est qu'à posteriori qu'on va regarder si jamais il n'y a pas un problème. Et là, en revanche, on enlève tout de suite, on débranche tout. Mais on compte aussi sur une mécanique communautaire, sur une communauté bienveillante dans le site et engagée qui nous aide à faire tout ça. Donc c'est quand même beaucoup d'innovation dans ce portail. Mais vous le voyez là, pour nous, ça a été aussi une stratégie en elle-même d'Open Government, puisque c'était non seulement partager des données, mais ça a été co-construire un produit qui marchait tout de suite avec la société civile et continuer à l'enrichir et à l'améliorer. Un deuxième exemple, donc ça a été aussi l'ouverture au-delà de la politique d'Open Data. On est allé un peu plus loin et on s'est dit, il faut aussi, c'est important non seulement pour donner des ressources aux citoyens, d'ouvrir les modèles de calcul. Donc, et là, l'histoire est intéressante puisque ça a été développé par quelques codeurs et des économistes et notamment certains Mahdi Benjelloul, qui est un des porteurs du projet, lui travaillait au CGSP, qui s'appelle maintenant France Stratégie. Et donc, qui du coup se disait, mais pour moi, faire les analyses économiques qu'on me demande, je n'ai pas d'outils qui me permettent de simuler certaines hypothèses, de mesurer l'impact de certaines réformes ou d'hypothèses, ce qui se passerait dans le système socio-fiscal. Donc, il a commencé à développer, et en étant aidé par d'autres codeurs, pour mieux faire son travail, cet outil qui est en gros la loi de finances en Python, donc qui rentre les paramètres de la loi de finances, les règles de calcul, et qui met tout ça dans un moteur et une API qui permet du coup de simuler des cas individuels et de mesurer l'impact de certaines réformes économiques. Donc là, c'est un exemple aussi où l'innovation, elle vient aussi à l'intérieur de la sphère publique et puis qui met en place un outil ouvert. Et donc, c'est à la fois de la transparence pour que les citoyens comprennent mieux, puisqu'on peut en faire plein de réutilisation aussi de ce modèle, comprennent mieux comment le système socio-fiscal fonctionne, on peut simuler des cas types. Et puis, c'est aussi vraiment, encore une fois, un outil collaboratif qui tourne, qui est ouvert et qui sert aussi à des administrations. Donc, elle-même, elle réutilise ces outils. Et je vous avais peut-être vu, mais hier, il y a un autre service qui a été lancé par les équipes qui travaillent avec Ketalab, qui s'appelle mesaides.gouv.fr et qui est un simulateur de toutes les aides sociales. Donc, ça a été développé aussi pour aider les administrations elles-mêmes à résoudre leurs problèmes, qui était donc le problème du non-recours aux droits, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient bénéficier de certains droits, mais qui ne sont absolument pas au courant qui pourraient avoir accès à ces aides-là. Et donc, en créant ce système Mes Aides, qui dit, bon, globalement, si vous êtes dans tel ou tel cas de figure, voilà ce dont vous pourriez bénéficier. Donc maintenant, ça vaut peut-être un peu plus le coup d'aller remplir les 15 formulaires. Et on n'a pas fini de simplifier la chaîne et la vie des utilisateurs. Mais en tout cas, on crée des outils avec le numérique qui permettent d'aider à résoudre des problèmes. Troisième exemple, rapidement, c'est la base adresse nationale ouverte, qui sera lancée dans quelques semaines et donc qui là servait aussi à résoudre le problème qui était qu'en France,
on n'a pas une base unique complète. Il y a eu plusieurs présentations sur ce sujet, je crois, dans le cadre de l'Open World Forum. Mais une base d'adresses géolocalisées, et ça, c'est vraiment une infrastructure de données qui est essentielle, qui amène beaucoup d'externalités positives, puisque bah, voilà, savoir pour le SAMU que telle adresse, elle est exactement à tel endroit en temps, enfin, pour une intervention, c'est extrêmement important. Pour une entreprise qui a besoin d'optimiser ses opérations, c'est vraiment important de savoir, encore une fois, dans les villes, il n'y a pas trop de problèmes, mais dans certaines zones reculées, donc c'est une infrastructure qui est importante et qu'on n'avait pas de façon... exhaustive, il y avait des petits bouts de base et qui n'étaient pas ouverts et réutilisables à droite à gauche. Et donc là, même chose, on a décidé aussi chez Etalab de soutenir une initiative qui venait d'OpenStreetMap et qui disait bah, nous, on va créer cette base ouverte. Donc on a donné un coup de main à OpenStreetMap et puis du coup, voyant que le modèle, donc il reprenait aussi, ça nous a permis d'aider à aller voir la DGFiP qui allait donner du cadastre. Ça nous a ouvert des portes aussi ailleurs. Enfin, ça a ouvert à OpenStreetMap le fait de passer par Etalab d'autres portes dans l'administration. Et donc aujourd'hui, on a une base qui a 19 millions d'adresses et qui, du coup, crée cette infrastructure. Et c'est vraiment un modèle où tout le monde y gagne, puisque y compris les données qui étaient produites dans l'administration par le cadastre. Le fait d'être... j'imagine que tout le monde connaît OpenStreetMap, mais... d'être vérifié par la communauté des contributeurs volontaires d'OpenStreetMap, ça les aide aussi à faire monter en qualité les données que produisent. Donc, on a vraiment une dynamique qui est bénéfique à tout le monde. C'est juste tout ça pour vous dire que Open Government, c'est pas seulement non plus des plans d'action et des choses sur la transparence, mais ça passe aussi par vraiment des nouvelles façons, des nouveaux modes de collaboration vraiment innovants entre la sphère de l'État et les citoyens. Et voilà. Et l'objectif, c'est vraiment aussi de faire quelque chose d'utile et de résoudre des problèmes. Voilà. Donc l'OGP, Paul en a parlé. Effectivement, la France a rejoint cette organisation donc, en 2014. On a été élu aussi au comité directeur de ce partenariat. Et donc maintenant, on y vient. On doit élaborer donc, ce plan d'action national. Alors, il y a un formalisme qui est mis en place par l'OGP. Donc, il faut raconter voilà, dans quel contexte tout ça se fait, qu'est-ce qu'on a fait avant, comment ça a été, justement, comment ce plan d'action il a été co-construit. Donc, c'est ce que disait Paul sur le fait de justement, communiquer aussi sur le processus d'élaboration. Et puis, donc, à la fin, il y a, en gros, alors, ça peut aller jusqu'à 70, Paul l'a dit, mais une liste d'engagements qui sont pris par les administrations pour être plus ouverts, plus transparents, etc., 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 et qui seront, dont le progrès sera mesuré par un comité d'experts indépendants. Voilà, et qui, en gros, seront pris pour 2 ans. Donc, comment ça s'organise? Donc là, on débute tout juste, et vous voyez, cet atelier, c'est encore un peu artisanal, et je suis désolée, mais c'est la première session, comme ça, de co-construction qu'on fait, donc c'est aussi une méthode itérative, on fera mieux la prochaine fois. Mais en gros, il y a une phase de consultation en ligne, et qui, là, du coup, s'inscrit, donc on se donne 6 mois hein, pour faire ce plan d'action, et qui s'inscrit dans quelque chose de plus large, qui est organisé, donc vous avez certainement vu, la consultation plus largement sur le numérique qui a été lancée par le Conseil national du numérique, donc qui a ouvert le 4 octobre dernier. Et dans cette consultation, il y a 4 thèmes. Donc il y en a un sur l'économie, la création de valeur, les startups. Il y en a un, je crois, sur la société et le numérique. Et puis, en gros, il y en a un qui porte sur la transformation numérique de l'État. Par rapport au sujet OpenGov aussi, c'est plus large. Enfin, c'est le numérique en général. Et ensuite, du coup, nous, on s'insère dans... je vois ce que tu veux dire. Mais il y a un des volets de la consultation du CNUM, une des sous-consultations. Dans le thème de la transformation numérique de l'État, il y a 2 sous-consultations, une sur Open Data et une sur Open Government. Donc là, vous pourrez aussi, dans cet outil-là, contribuer en proposant des idées sur des problèmes que vous avez identifiés et des solutions à ce problème. Ce n'est pas la seule consultation et les seuls outils en ligne sur le sujet OpenGov, mais juste pour vous dire que dans cette concertation du CNUM, il y a un volet Open Government. Mais effectivement, il y a d'autres outils qui existent. Et... Oui, il y a des sujets qui ne sont pas numériques, bien sûr, bien sûr.
Oui, oui, non, mais effectivement, tous les sujets ne sont pas numériques dans l'OpenGov. Mais voilà, en tout cas, il y a un certain nombre de questions sur, enfin, ou d'idées qui peuvent passer par un outil numérique qui est la consultation en ligne du Cenium, mais qui peut amener des idées qui ne sont absolument pas liées au numérique. Non, non, mais c'est pas, ça n'est pas qu'à travers un prisme. Enfin, je crois pas avoir dit ça, mais pardon. Et donc, en parallèle, effectivement, de cette consultation en ligne, dont une partie a lieu sur le site du Cenium, on fait aussi des ateliers donc, comme celui-ci pour commencer à recueillir des idées. Et ce sera un mode de travail. Enfin, voilà, déjà, rien que la démarche là, on n'est pas des experts de la concertation citoyenne, de tout ça. Donc, il faut aussi nous aider à améliorer cette démarche-là. Donc voilà, et l'objectif c'est d'avoir un plan d'action. Alors après, il faudra aussi que les engagements, bien sûr, ils doivent être portés par l'administration. Donc il faudra que eux, enfin certainement, de toute façon, ils vont contribuer, ils vont proposer des choses, mais il faudra qu'ils se l'approprient. Et bien sûr, la faisabilité et le portage par les administrations sera aussi quelque chose d'important dans la sélection finale des idées, parce que voilà, si, ils prendront pas des engagements qui ne sont pas réalistes. Mais donc, l'échéance est plutôt mars 2015, voilà, qu'on se donne pour avoir itéré et publié sur ce plan d'action. Voilà, donc le Cenium, j'en ai parlé. Les ateliers, du coup, c'est ce que je vous disais, on commence tout juste. Alors, pour l'instant, on est très large, mais probablement qu'au fur et à mesure, et on a juste mis là quelques idées, il y aura certainement des thématiques qui vont commencer à émerger et qui feront que, du coup, il y aura des événements en groupe de façon plus thématisée. Mais voilà, ce qu'on se dit, c'est que globalement, dans les grands chapitres, il y a certainement, mais là aussi, ça pourrait être amené à évoluer, quand même des sujets qui portent plutôt sur la transparence, c'est-à-dire sur comment le gouvernement peut améliorer la transparence sur un certain nombre de choses. Et voilà, la haute autorité pour la transparence de la vie publique, c'est typiquement un sujet qui n'est pas du tout numérique, enfin, qui peut le devenir, mais qui ne l'était pas. Voilà, il y a un sujet plutôt autour de la mise à disposition de ressources, c'est-à-dire comment l'État met à disposition des ressources, encore une fois, pour que les citoyens, les différentes parties prenantes gagnent plus de pouvoir, comment les habiliter à exercer une citoyenneté plus active. Et donc, typiquement, voilà, par exemple, le partage de données aussi, l'open data ou l'ouverture de modèles, ça peut être quelque chose qui rentrerait dans cette catégorie-là. De nouvelles formes de collaboration et de travail en écosystème. Donc, quand je vous disais... là aussi, encore un exemple, mais quand l'État accueille des innovateurs venus de l'extérieur, travaille, change complètement ses méthodes de travail, ça pourrait être quelque chose qui, juste pour illustrer un peu, hein, irait plutôt dans cette partie-là. Et puis, des nouvelles stratégies technologiques, et on parlait tout à l'heure de Big Data. À l'intérieur des Talabs, il y a aussi toute une activité qui s'étend autour de l'utilisation des sciences de la donnée et des data sciences pour aussi améliorer l'efficacité de l'action de l'État. Et donc, voilà, ça pourrait être aussi où, des stratégies d'API, une grande plateforme, enfin, l'État comme plateforme et des stratégies d'API, ça pourrait être quelque chose aussi qui pourrait s'inscrire dans cette partie. C'est juste pour donner quelques premières idées, mais voilà, ce que je vous propose maintenant, c'est de commencer justement cette discussion. Alors, donc, Amélie l'a dit, il y a déjà les premiers échanges là seront captés sur le site. Et puis, au fur et à mesure, nous, on mettra tout, alors ce n'est pas encore totalement prêt, mais sur le site des Talabs. Donc, bien sûr, les calendriers des rencontres aussi, plus à l'avance qu'on l'a fait aujourd'hui. Et puis, les comptes rendus des entretiens. Et on essaiera vraiment d'entretenir et de soutenir ce dialogue avec vous dans l'élaboration de ce plan. Voilà un petit peu ce que je voulais dire. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions, des idées ? Non, ce n'est pas une critique. Pierre Gosset, Association Framasoft. J'avais deux questions, en fait. La première, c'est, elle est peut-être un peu trollesque, c'est où est le code et quelles sont les licences ? Parce que je sais que, par exemple, sur le Bano, c'est libre, au sens où nous, membres du, enfin, la communauté du logiciel libre, on entend libre. Ça fait un petit moment que je ne suis pas allé sur Etalab ou sur data.gouv.fr, mais
Je me souviens qu'il y avait pas mal de choses qui étaient sous licence Creative Commons avec du nom commercial derrière, etc. Donc sans vouloir rentrer dans le débat, qu'est-ce qui est libre, qu'est-ce qui ne l'est pas, pour moi c'est intéressant, un processus comme ça est intéressant si les licences sont vraiment libres. Ensuite, des API qui me disent quelles sont mes aides, c'est bien si le code est publié. Parce que si le code n'est pas publié, moi personnellement, que l'État me dise que c'est ça mes aides, c'est toujours mieux que rien. Mais si je ne peux pas aller vérifier, ça n'a pas de sens pour moi. Donc ça, c'est ma première question. Le côté licence, voilà, pour que ça soit interopérable, pour que, enfin bon, je ne refais pas le débat, je pense que vous êtes tous au courant. Et la deuxième, elle est un petit peu plus, encore peut-être un petit peu plus trollesque et politique, c'est quel pouvoir réel pensez-vous avoir au sein des Talabs pour concrétiser des actions? C'est-à-dire que moi, quand on vient me consulter, c'est bien. Et quand il se passe quelque chose derrière, est-ce que je suis vraiment entendu, etc. Donc, le résultat de cette consultation, est-ce que... C'est vraiment trollesque hein, comme question. Est-ce que ce n'est pas un écran de fumée? Et à quel point est-ce que, si jamais... Enfin, ça rejoint la question de monsieur derrière sur Avaaz tout à l'heure. C'est bien, on fait des pétitions, on a 200 000 signataires. Est-ce que ça ne fait pas juste pchit, pour reprendre une expression d'un autre président, derrière? Et donc, c'est bien beau de venir nous consulter, mais quel est le pouvoir réel des Talabs derrière pour faire passer, et servir de courroie de transmission et qu'on soit sûr que ça arrive là où il faut que ça arrive. Désolé pour le troll. Non, pas de problème. Et oui, ils sont gentils. Alors, sur la partie code licence, sur ce que je vous ai montré tout à l'heure, moi, je ne suis pas technicienne codeuse. Je m'y mets petit à petit, mais c'est vraiment petit à petit. Mais du coup, oui, mais du coup, voilà, dans tout ce que je vous ai montré là, le code est repartagé, c'est ouvert. Je vous dis, OpenFISCA, tout est ouvert. Donc, alors, oui, ouvert et libre. Je ne veux pas m'engager sur des pistes que je ne maîtrise pas. Donc là, je vous renverrai vers l'équipe technique des Talabs. Mais normalement. Vraiment, enfin, il me semble que c'est complètement libre. Enfin, allez voir, je vous dis, tout est accessible. Voilà. Non. Voilà. Donc, je. Ben venez vérifier et puis dites-nous. Et puis on fera mieux si jamais. Mais je pense que là, pour le coup, pour avoir dans l'équipe des radicaux du libre, je pense qu'il n'y a pas de problème. Voilà, c'est la première partie. Et la deuxième partie, ah oui, qui était... alors, comment on s'assure qu'effectivement, les choses sont mises en œuvre et que ce n'est pas un écran de fumée? Bonne question. Pour reprendre l'exemple aussi de... Enfin, comment dire, faire des plans, en effet, on ne sait jamais ce qu'il en sort, faire prendre des engagements, et je vous le dis en toute franchise et transparence, effectivement, et c'est notre combat au quotidien, hein, quand des administrations disent oui, on va faire ça, derrière, nous, en effet, Talab, on est 6, 10 maximum, et en effet, on n'a pas de pouvoir de faire exercer, enfin de faire exécuter les directives qui viennent du gouvernement, les plans, les engagements. Donc en effet, on n'a pas les moyens et on n'est pas outillé pour ça. Mais d'où l'intérêt aussi d'inverser complètement la mécanique. Vous voyez, je vous donne un exemple. Entre nous, on dit il y a le legal way et le hacker way, quoi. Donc le legal way, c'est plutôt passer par les processus traditionnels de l'administration, les validations, les ordres et le sponsoring politique et puis l'autorité. Enfin, c'est nécessaire dans un certain nombre de cas. Et puis, il y a une autre façon de faire et qui est complémentaire dans un certain nombre de cas, qui est de vraiment engager une communauté, faire prendre tout de suite une mécanique qui fonctionne dans laquelle chacun trouve des bénéfices. Et du coup, finalement, au moment où on prend l'engagement, tout est déjà fait parce qu'il y a quelque chose qui marche. Et c'est exactement ce que j'ai pas trop développé, mais c'est ce qu'on a voulu faire dans data.gouv.fr. Oui, quand on ouvre les données, si on prend juste cet exemple-là, on peut aller dire autant qu'on veut, en s'épuisant autant qu'on veut, en disant on est les services du Premier ministre, à certaines administrations, partagez vos données, ouvrez, etc.
Bon, et c'est pas toujours de la mauvaise volonté, hein, mais c'est juste que parfois, elles voient pas l'intérêt, elles comprennent pas, elles savent pas faire. Enfin, voilà, c'est même pas. Enfin, oui, c'est des charges en plus, c'est pas dans leurs objectifs, donc elles le font pas toujours, effectivement. Et nous, encore une fois, on n'est pas le gendarme, quoi. Et puis après, il y a justement les amener dans un site dans lequel, en fait, elles vont rencontrer une communauté d'innovateurs, elles vont voir ce qui est fait avec leurs données, j'en ai pas parlé, mais sur une page de jeu de données, justement, on a attaché, et ça a été un choix, toutes les réutilisations, on a mis en face les réutilisations qui sont faites avec les données. Donc justement, une administration qui partage ces données, et c'est pour ça qu'on dit que c'est une mécanique sociale, elle voit les gens qui utilisent, elle voit ce qui se passe avec un jeu de données. On peut même forquer un jeu de données, c'est-à-dire que dans certains cas, et ça nous arrive encore de temps en temps, où on nous dit oui, on va ouvrir les données, allô et Talab, ça y est, on est l'administration XY, on met quelque chose, et puis on se retrouve avec un PDF où en fait il y a un tableau de 2000 lignes qui est complètement inexploitable. Et là, d'où l'intérêt aussi d'amener la communauté là-dedans, c'est que bah, elle peut faire ce travail-là quand même de conversion dans des outils, dans des formats complètement ouverts. Et puis du coup, elle va poster juste en dessous le tableau qui est complètement réutilisable. Et bah, l'année suivante, en fait, quand il va falloir ouvrir, partager la nouvelle version du jeu de données en question, là, on aura lancé la machine et du coup créé l'irréversible. Et l'administration, elle pourra plus se cacher dans un PDF parce qu'elle saura que ça sert à rien. Et donc, c'est juste pour dire que voilà, il y a deux façons de faire. Et donc là, pour revenir au plan d'action. Voilà, typiquement, faire une base adresse nationale, il y avait dans un certain nombre d'engagements de beaucoup de gens, y compris dans l'administration, le fait de faire cette base. Et puis, bah, ça ne se faisait toujours pas parce que c'était compliqué. Et puis voilà, il y a juste le fait de en fait, trouver un modèle dans lequel tout le monde y gagne, ouvert. Et puis, bah, du coup, voilà, on fait quoi. Et c'est un peu la culture qu'on essaye de pousser chez Talab. Et du coup, moi, ce plan d'action, effectivement, ça s'appelle plan d'action parce que c'est le vocabulaire de l'OGP. Mais moi, il me tient à cœur vraiment de faire quelque chose qui soit utile, qui aide à résoudre des problèmes. Et donc, peut-être que, en fait, ce sera trois engagements sur des ouvertures de données ou sur des trucs de transparence qui ne seront pas forcément numériques. Mais le plus possible, on aura créé une dynamique dans laquelle les administrations, elles ont. Enfin, il y aura déjà quelque chose qui existe, en fait, et on n'aura plus qu'à dire bah, voilà, regardez, ça, c'est déjà fait. Juste pour un complément sur les licences la transparence sur le code. La consultation du Conseil national du numérique, le code est fermé. Voilà. Donc, OK, tu as regardé. Juste pour préciser, c'est pas parce qu'il y a écrit des mots où il y a écrit open source à un moment dans la phrase que ça veut dire que c'est open source. Donc, allez regarder, essayez de récupérer le code, vous verrez, c'est pas possible. Voilà. Pour le code, vous pouvez toujours poser sur la forge du lac, l'État le fait sur d'autres questions, on a une convention avec eux. Ma question est un peu différente. La première fois que j'ai acheté un GPS, il y a très longtemps, il y avait une fac, et il y avait une question, est-ce qu'il faut payer pour utiliser les données des GPS? Et la réponse était non, les citoyens américains ont déjà payé les satellites. Alors ça, ma question, c'était, j'ai acheté un GPS pour rentrer des tracks, parce que c'était à l'époque un projet ancêtre d'OpenStreetMap. Si on avait été intelligent, il serait français OpenStreetMap, mais bon, on n'a pas été intelligent. Ma question, c'est vrai qu'il y a un hacker level et un legal level, mais je me réjouis que vous travaillez avec OpenStreetMap, et qu'est-ce que ça change pour l'IGN? Parce qu'on a aussi des modèles économiques qui consistent pour l'État à produire des données pour les revendre à les administrations publiques. Un maire d'une commune achète les limites de sa commune à l'IGN. Et voilà, qu'est-ce que ça change? Merci, très bonne question. Donc le modèle économique des données et de l'ouverture des données publiques, c'est effectivement une discussion qui a eu lieu. Il y a eu des décisions qui ont été prises. Il y a eu un rapport qui a été fait par Adeline Trojette l'an dernier, dont vous avez très certainement entendu parler, qui dit justement quel est le modèle économique des redevances pour la réutilisation des données. Donc, qui dit, voilà, effectivement, dans un certain nombre de cas, il peut y avoir des modèles économiques, mais enfin, voilà, il y a les données qui viennent, en gros, telles qu'elles arrivent, qui sont des données de transparence, qui viennent, la loi CADA dit, pour un traitement, par un traitement, juste un simple traitement automatisé d'usage courant, enfin, où il n'y a pas grand-chose à faire, et où là, effectivement, c'est vraiment une doctrine de gratuité, parce que ça arrive comme ça. Le cas est un petit peu différent chez des opérateurs, qui, en l'occurrence, enfin, voilà, l'IGN,
pour qui l'activité de création et de production de données est à l'origine, enfin, c'est leur existence même, quoi. Et effectivement, ils sont aussi dans des situations complexes parce que, voilà, ils ont aussi une pression budgétaire. Donc, y a cette question de comment équilibrer leur budget. Donc, le rapport Trojet a donné lieu à une réaffirmation du principe de la gratuité pour la réutilisation des données publiques. Mais quand on est... Enfin, voilà, il y a des données de transparence, mais quand on commence... Et là, typiquement, cette question de la base adresse, on voit bien que c'est quand même un peu autre chose. Ce n'est pas la loi CADA, ce n'est pas l'accès à l'information. On est dans une base qui crée des externalités, qui est une infrastructure de données. Et typiquement, les données temps réel aussi, de plus en plus, vont changer les choses. Donc, il y a le statique, en gros, et puis il y a la mise à jour, quoi. Et en effet, et c'est dit dans le rapport Trojet, il y avait quand même un problème avec le modèle économique aussi de l'IGN, qui, une fois, a vendu sa base à Google pour X millions d'euros. Et puis, une fois que Google a acquis le truc, ils ont dit, bah, c'est bon, merci, au revoir, bye bye. Et donc, grosse perte de recettes aussi pour l'IGN, parce qu'une fois que Google avait récupéré le truc, il pouvait très bien faire la mise à jour tout seul et il n'y avait plus besoin. Donc, ce que dit le rapport Trojet, c'est que dans le cas où il y a des modèles économiques sur la donnée, il faut que ce soit cohérent avec les modèles économiques de l'économie numérique. Et donc, plutôt que d'avoir des tarifications, et c'était le cas dans un certain nombre de, dans beaucoup de cas où le tarif était dégressif. Donc, du coup, plus on utilisait de données, moins la donnée unitaire marginale, enfin, le coût marginal était élevé. Ça, c'était catastrophique parce que ça crée une barrière à l'entrée pour les innovateurs, ce qui est quand même un des buts de l'open data. Et ce n'est pas du tout cohérent avec, justement, les nouveaux modèles économiques dans le web et dans la data. Donc, le rapport Trojet dit, si jamais il y a des modèles économiques, il faut au moins qu'ils soient cohérents et que c'est plutôt des modèles progressifs. Et il y a des analyses assez soutenues, je ne suis pas économiste non plus, mais... qui appuie ça. Mais juste pour revenir sur le cas de l'IGN et de la base adresse, on a travaillé avec l'IGN, ça a été fait en collaboration avec eux, et vous verrez dans quelques jours qu'ils seront associés à l'inauguration. Donc, ça a été vraiment des discussions, un modèle à trouver avec eux, et c'est le cas aussi pour d'autres administrations. Donc, en gros, on va avoir la création d'un bien commun qui est garanti pour les citoyens, quoi, donc qui sera une partie de Banno, et puis une partie que l'IGN pourra continuer à vendre dans un certain nombre de cas, mais avec d'autres, enfin avec un modèle séparé. Mais du coup, l'idée c'est que voilà, il y a chacun s'y retrouve dans la création de cette base commune, mais qu'on assure au moins un bien commun pour l'ensemble des citoyens. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous avez des idées? Est-ce que tout ça suscite des contributions pour des premières pistes pour le plan d'action? Je sens que Samuel... C'est une contribution. Non, ce ne sera pas une contribution, ce sera une question. Donc, je suis Samuel Le Goff, donc je suis journaliste. Je suis le sujet depuis un certain temps. Et c'est vrai que Etalab nous parle beaucoup de numérique, de données. Il y a quand même un volet important en matière de transparence dans l'OGP, sujet qui est miné, le mot est faible. Politiquement, c'est hyper sensible. On a eu des lois qui ont laissé des grosses cicatrices chez les hommes politiques. Monsieur Nadal s'apprête à rendre un rapport au mois de janvier qui sera une deuxième couche. Ça ne va pas être triste. Donc, est-ce que vous comptez aborder ce sujet ou au contraire considérer que le morceau est trop gros et que vous allez y laisser trop de plumes et que finalement l'OGP va sombrer du fait de cet écueil? Donc, comment vous allez le prendre, ce sujet de transparence, à la fois pour le traiter? Qu'est-ce que vous allez traiter éventuellement si vous avez déjà des choses en vue? Alors, oui, on va le traiter, parce que voilà, on ne va pas commencer à mettre des sujets de côté d'entrée de jeu. Donc, bien sûr qu'on le traitera. Après, j'ai pas de pour l'instant, je vous dis, on démarre tout ça. Donc, on va aller rencontrer un certain nombre de gens. La Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, qui est née de la loi, effectivement, a fait un certain nombre de choses. Et ça fait partie du discours du président de la République à l'OGP. J'ai retweeté avant-hier un tweet justement de la Haute Autorité là-dessus. Et le président de la République a dit, voilà, nous, en France, on a créé des institutions, et notamment celle-ci. Et effectivement, dans un certain nombre de cas, ça fait des dégâts. Mais c'est bien le but. Voilà, je pense que bien sûr qu'on ne peut pas tenir à l'écart ce thème-là. On va justement recueillir vos idées, identifier avec les différentes parties prenantes les endroits où, effectivement, il y a certainement encore de la transparence à améliorer. Et là, moi, pour le coup,
je coordonne, je n'ai pas d'idée préconçue là-dessus, mais oui, bien sûr que ça fera partie des sujets qui seront dans le plan d'action. Non, c'est juste une réflexion par rapport à une expression que tu as employée tout à l'heure, mais qui, je pense, est extrêmement importante à avoir à l'esprit par rapport à tout ce qu'on est en train de faire en termes d'open governance. C'est quand on aura créé l'irréversible. On est en train de faire quelque chose d'irréversible. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ces données sont sorties, à partir du moment où il y a un certain nombre de choses qui ont été mises en place, à partir du moment où il y a un certain nombre de processus de transformation démocratique qui ont été mis en place, ça sera extrêmement difficile de revenir en arrière pour le bien ou pour le moins bien. Donc, si ça peut permettre d'améliorer la situation du pays en termes de corruption, c'est super. Si ça peut améliorer l'efficacité des services publics, c'est super, etc. Mais ça peut aussi, si on ne prend pas un certain nombre de précautions, et encore une fois, qui méritent vraiment beaucoup d'attention parce que c'est irréversible, on peut aussi se retrouver dans des situations très difficiles. Parce que si des processus, par exemple, sont noyautés d'une certaine manière par des groupes d'intérêt et qui réussissent à travers une forme de caution à emmener les politiques publiques dans telle ou telle direction, ça pourra avoir des effets aussi extrêmement nocifs pour les citoyens en France. Voilà. Donc c'est pour ça que, encore une fois, c'est-à-dire que tout à l'heure je donnais un exemple. Non, mais tout à l'heure, je donnais un exemple de plateformes dans lesquelles, à travers des pétitions, des gens essayent d'influencer la politique d'un pays. C'est une nouveauté avec cette ampleur-là dans la mécanique, j'allais dire, démocratique d'un pays. Parce que quand vous avez une pétition qui dit « il faut faire ça » et que vous avez 1 million de personnes qui dit « il faut faire ça », comment on en arrive là? Je veux dire, vous regardez comment ça marche Facebook. Il y a des gens qui likent, on like, tout le monde like. Est-ce que derrière il y a forcément une réflexion? Peut-être dans certains cas oui, dans d'autres cas non. Donc tout à l'heure, Laure disait, je suis pas spécialiste en mécanique de concertation, de participation. Il y a un certain nombre de chercheurs avec des théories parfois complètement opposées, mais je veux dire, c'est intéressant de les écouter. C'est intéressant de vérifier après que les choses sont faites. C'est-à-dire que quand un certain nombre de théories de sciences sociales, de psychologie, de tout ce qu'on veut, décrivent les dérives qui peuvent exister avec ce type de système et qui préconisent un certain nombre de garde-fous, il ne suffit pas de prétendre les mettre en place pour que les choses se passent bien. Il faut aussi aller vérifier, c'est aussi notre rôle de vigilance de citoyens, d'aller vérifier que c'est vrai. Donc si on nous raconte qu'un truc est ouvert alors qu'en fait ça ne l'est pas, il faut qu'on soit capable de s'en rendre compte et il faut qu'on soit capable de dire que ce n'est pas le cas. Et il faut qu'on soit capable éventuellement de mettre un tout petit peu de temporisation parce que c'est irréversible. Voilà. Moi, j'aimerais bien des contributions, du coup, plutôt que des questions. Voilà, la société civile, c'est vous. Donc, merci Dana Boursier, Creative Commons. Oui, je suis un petit peu étonnée de l'expression que vous avez utilisée tout à l'heure, à savoir bien commun. Je ne crois pas qu'on soit dans du bien commun. On n'est pas non plus dans du domaine public, puisqu'il y a une licence. On parle bien des données gérées par Etalab. Pour moi, ce n'est pas du bien commun. Ça pourrait peut-être être du bien public. Mais dans la mesure où ce n'est pas la communauté qui décide, notamment de la licence, qui concerne les données, l'ouverture, les restrictions, etc., je ne pense pas que la communauté ou la société civile dont il est question soit en mesure de décider par elle-même ce qui est la définition d'un commun. Il n'y a pas de commun top-down, il n'y a que des communs émergents. C'est-à-dire qu'à la limite, un État ne peut pas dire « mes chers petits concitoyens, faites du commun ». C'est un peu ce qu'on appelle une injonction paradoxale. Donc moi, je n'appellerais pas ça du commun. Je suis désolée. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour moi, c'est du bien public. Et tant mieux. Je veux dire, réhabilitons ce qui est public, réhabilitons le bien public, mais ne confondons pas le bien public et le bien commun.
Alors, merci. Effectivement, là aussi, j'ai peut-être employé un terme, vous êtes certainement bien plus expert que moi toutes les subtilités de bien commun. Ce que je voulais dire, mais là aussi, c'est... Enfin, je ne parlais pas tout à fait de... Enfin, il y a l'ouverture des données de l'État. Donc, ça, c'est, voilà, c'est des choses dont on, enfin, qui existent déjà dans les systèmes d'information et qu'on met à disposition de tous. Et là, pour le coup, la politique, elle est très claire. Enfin, de mise à disposition de ces données et des licences, c'est que Etalab a créé une licence qui s'appelle la licence ouverte, qui est la moins restrictive de toutes, puisque la seule obligation, c'est de mentionner la source dans la réutilisation des données, donc c'est la licence ouverte. Et puis, ce que je voulais dire, c'est que dans le cas donc, de la base nationale, de la base adresse nationale ouverte, c'est qu'effectivement, on est une infrastructure de données qui soit accessible à tous, partagée, réutilisable et que on puisse mettre à disposition des citoyens avec voilà, le moins de restrictions possibles sur la réutilisation de ce bien, cette infrastructure-là. Donc on est dans un cas un peu différent où cette fois-ci on va produire quelque chose spécifiquement et avec du coup peut-être après des modèles d'utilisation ou de réutilisation différents. Mais voilà, je bien commun, bien public, s'il y a une nuance que je ne maîtrise pas, pardon. Mais c'est ce que je voulais dire, c'est que voilà, il y a des infrastructures à créer qui sont nécessaires au développement d'un certain nombre d'externalités positives et qu'on fait en sorte de les créer, de faciliter leur émergence. Et y compris, effectivement, enfin, pas de façon descendante, mais aussi en s'appuyant sur ce que la communauté crée d'elle-même. Juste pour poursuivre sur votre question tout à l'heure, parce que je n'ai peut-être pas été suffisamment précis, mais prenons l'exemple des pharmacies, d'accord, que je donnais tout à l'heure sur Havas. Vous avez une pétition qui dit il faut que les médicaments continuent à être vendus en pharmacie, il ne faut surtout pas qu'ils soient vendus en grande surface. Et il y a des milliers de personnes qui disent qu'il faut faire ça. Alors, est-ce qu'à la fin, il faut le faire parce qu'il y a des milliers ou des dizaines de milliers de personnes qui l'ont fait ou pas? Alors vous allez me dire, on peut créer une pétition dans l'autre sens en disant non, il faut que ce soit vendu en grande surface, etc. Bon. Aujourd'hui, donc, les plateformes qui mettent en place ces systèmes-là, Havas par exemple, mais il y en a plein d'autres, hein, je veux dire, c'est pas du tout spécialement contre Havas. Puis en plus de ça, dans certains cas, ça peut avoir des effets très positifs. D'ailleurs, c'est ceux qui mettent en avant, ils mettent tous en avant des exemples d'ONG qui ont réussi à faire des choses extraordinaires, etc. Voilà. Bon. Mais est-ce que quand on réfléchit à la construction de notre système démocratique, on a mis en place des institutions. Alors, elles sont imparfaites, certes, mais on a mis en place un Parlement, on a mis en place des gens qui sont censés nous représenter, on a mis en place la séparation des pouvoirs, on a mis en place des tas de choses qui sont censées essayer d'équilibrer une mécanique qui nous permet de vivre dans les conditions dans lesquelles on vit aujourd'hui, bon. Avec tous les avantages et les inconvénients que ça peut avoir. Le fait d'amener les gens à prendre, je veux dire, la codécision, amener les gens à la codécision avec l'open government, c'est quelque chose, encore une fois, qui peut être extrêmement positif ou extrêmement négatif. Mais il ne faut pas qu'on décide avec des pétitions, quoi. Il ne faut pas qu'on décide de la politique du pays avec des pétitions. Du barrage de Sivens, c'est pareil. Je veux dire, c'est pas le média qui crée forcément la dissonance. Non, mais le média, c'est... Enfin, là, aujourd'hui, on passe de quelque chose qui restait toujours très artisanal, donc un lobbying lobbying artisanal, mais qui a quand même fait ses preuves, hein, c'est-à-dire aller se promener dans les couloirs de l'Assemblée nationale et discuter avec les gens, à quelque chose qui s'industrialise. Et avec le numérique, le lobbying s'industrialise. Si vous lisez un peu, je vous invite à le faire, franchement, allez sur Internet et allez lire ce que les lobbyistes professionnels expliquent de leur métier. C'est incroyable. C'est une source d'information et de réflexion qui est absolument incroyable. Vous allez donc chercher par vous-même, ça c'est encore mieux que vous cherchez par vous-même plutôt que je vous dise où aller chercher, et vous verrez, c'est absolument passionnant. Et donc on voit qu'il y a une caisse de résonance nouvelle. Les mécaniques de démocratie participative, les plateformes participatives, les sondages, tout ce qu'on veut, etc. Et encore une fois, je ne veux pas dire que c'est mal, sinon je ne serais pas là et je n'aurais pas expliqué avant qu'on essayait de promouvoir aussi tout ce qui peut avoir de positif dans le gouvernement ouvert. Je dis juste que
pour que les effets positifs puissent se matérialiser et pour que la démocratie puisse progresser, puisque le thème d'aujourd'hui, c'est de l'open data à l'open government, donc on n'est pas que sur une dimension technique, on est aussi sur une dimension politique ou démocratique. Pour qu'effectivement on puisse bénéficier de ces effets-là, il faut avoir une grande vigilance dans la mise en œuvre réelle des principes, pas juste dans les promesses qu'on peut faire autour des principes, et que tant qu'on ne met pas en place exactement les choses et que ce n'est pas vérifié, prouvé, et qu'on n'avance pas pas à pas avec cette circonspection, on prend des risques inconsidérés parce que c'est irréversible. Et que ça peut déstructurer les institutions, donc ça peut aller vers le mieux, mais ça peut aussi vers le moins bien. Je crois qu'il va falloir pas tarder à clore, enfin, à moins qu'il n'y ait pas d'autres conférences dans cette salle, mais j'en doute. Oui, bonjour. Clairement, il faut qu'ils aient. Je travaille à Etalab, mais bon, comme beaucoup de personnes qui travaillent au sein de l'État, j'ai aussi des activités associatives. Je voulais juste réagir sur cette discussion en disant aussi, pour moi, enfin, le rôle de la société civile, bien sûr, est un rôle de vigilance, mais ça ne doit pas se cantonner à ça. Là, quand on prend ce cas de la consultation sur l'Open Government Partnership, le gouvernement ouvert, oui, il faut une vigilance, mais il faut surtout des idées. Parce que si la société civile n'apporte pas ses idées, les associations n'apportent pas les idées qu'elles ont, et qu'après, nous, en tant qu'Etalab, on va faire de notre mieux pour les pousser, ben, ça va finalement rester assez vide comme consultation. Donc vraiment, on vous attend aussi sur toutes ces idées-là qui foisonnent dans toutes vos associations, dans tous vos engagements. Donc vraiment, n'hésitez pas, que ce soit dans les événements contributifs, les plateformes en ligne, à prendre le pari de donner vos idées et d'aller au-delà de juste une posture de vigilance. Je voulais faire une contribution. Au lieu d'une question. Je travaille dans une administration de Catalogne, la province de Gironde. Mais là, je voulais intervenir comme aussi membre d'une association dans ma petite ville. On est 5000 habitants seulement. Et dans ce cas-là, les associations, on a pris le devant à notre mairie, pour le dire d'une façon. Pourquoi ? Parce que la mairie ne faisait rien. Ils avaient un site web qui était mort, il avait été attaqué il y a quelques mois, et ils ont continué comme ça à le laisser abandonner. Excusez-moi. Je n'ai pas l'habitude de parler comme ça devant tellement de monde. Les associations, nous avons mis en marche un site web. Si je dis quelque chose qui n'est pas bien en français, vous me corrigez. Hein. Nous avons mis en marche un site web pour expliquer ce que nous faisons les associations culturelles, sportives, un peu de tout. Et en 2 mois, plein de monde s'est mis à collaborer, à publier. Et maintenant, ça a forcé indirectement, sans lui dire rien à la mairie, ça les a forcés à se mettre en marche. Donc nous avons le pouvoir, les citoyens, de changer les choses avec des petites actions comme celle-ci. Oui, tout à fait. Et je voulais juste dire aussi que nous, ce qui effectivement marche le mieux quand on construit des sites, des services, c'est vraiment quand on va voir les gens et qu'on leur dit comment est-ce qu'on peut t'aider à résoudre un problème. En fait, c'est vraiment ça. À partir du moment où, même dans l'ouverture des données, on nous dit souvent, et les administrations même nous le disent, par quoi est-ce qu'on commence? Quelles sont les données qui sont intéressantes? Alors on a dit, on va aller poser la question aussi aux réutilisateurs de données, donc les associations, la société civile, en disant quelles sont les données dont vous avez besoin? Et en fait, c'est vrai que si on raisonne comme ça, c'est très difficile. Et en revanche, quand on va se dire, OK, si on veut résoudre tel problème ou trouver la réponse à telle question, voilà les données qu'il faut. Et du coup, on va aussi nous-mêmes détecter des données dont on n'aurait pas du tout pensé qu'elles pouvaient être intéressantes. Mais donc voilà. Et c'est la même chose quand on demande, quand des citoyens se mobilisent pour résoudre leurs problèmes au quotidien. Voilà, là, c'est effectivement un angle un peu différent. Il y avait une autre question là. Je pense que du coup, enfin, ce que je voulais, oui, voilà, pardon. Je voulais juste vous dire aussi, donc la contribution, elle ouvrira la consultation CENUM, elle ouvrira lundi. Donc n'hésitez pas. Du coup, à contribuer.
C'est pour parler d'une contribution aussi. On a un outil formidable en France qui s'appelle la CADA. Et quand on se pose. Alors, par contre, c'est vrai que ça suppose d'avoir des compétences juridiques qui permettent de savoir quel est le type d'informations qui sont effectivement divulgables. Bon, ça, c'est vrai que c'est des fois, c'est casse-tête, c'est sujet à interprétation, on ne sait pas trop. Mais la CADA donne des avis, eux, pour le coup. Donc, plutôt que de les spammer, enfin, moi, je pensais pour éviter de les spammer, en fait, pour éviter de les abreuver de demandes qui ne sont pas forcément pertinentes. Nous, ce qu'on a fait, enfin, dans l'association dans laquelle je bosse, c'est que on a demandé, par exemple, d'avoir l'historique. Ça, c'est super, parce que maintenant, on a ça sur le site. Data.fr, ça, c'est super cool. On a identifié que par exemple, un exemple tout bête, les bailleurs sociaux ne fournissaient pas, enfin, on n'avait pas accès au rapport de l'équivalent de la Cour des comptes qui contrôle les bailleurs sociaux. Donc on a fait la demande. Directement, on ne l'a pas eu, on a refait la demande à la CADA, et la CADA a donné son avis, et finalement, on les a eus. Et du coup, ça a permis à ce que dans un domaine qui est assez sensible, comme tout ce qui est la gestion du parc, des parcs immobiliers qui appartient donc aux différents OPH et tous les autres, ils sont sortis du bois, ils se sont exprimés, et peut-être que au final, donc les rapports de ce qu'on appelle l'AMILOS, hein, ce qui est la Cour des comptes qui observe ces établissements-là, seront rendus publics. Alors qu'ils le doivent, enfin, ils le doivent. Mais voilà, ils sont sous le. Assez. Non, alors maintenant, je pense que j'ai rencontré un de vos collègues à Etalab, et les demandes d'avis CADA et tout le reste, c'est quand même beaucoup simplifié par rapport à ce que c'était auparavant. Mais voilà, ça c'est un exemple que quand on fait, on bosse un petit peu, la société civile, elle bosse un petit peu, elle fait la demande, et après, ça crée un précédent, tout le monde regarde les rapports des cours des comptes, c'est repris par le canard enchaîné. Ça fait des vagues et du coup, ben voilà, ça revient dans la société civile tout de suite, mieux tout seul, comme ça devrait, comme les rapports de la Cour des comptes. Voilà. Et merci pour le truc. Juste une réaction par rapport à ça. Effectivement, merci pour cette idée. Et après, il y a aussi un certain nombre de gens qui s'interrogent sur est-ce qu'il faut muscler la CADA, est-ce qu'il faut la renforcer, est-ce qu'il faut lui donner plus de pouvoir, est-ce qu'il faut créer des référés pour que, du coup, on ait des circuits beaucoup plus faciles. Et ça, vraiment, je vous incite, c'est des idées qui peuvent aussi, enfin, qui doivent remonter, parce que tout ce qui sera, il y a aussi les sujets ne sont pas disjoints, hein, mais dans la concertation en ligne, enfin, c'est aussi l'occasion de pousser des idées comme celle-là, si jamais c'est un outil que vous jugez utile, il faut aussi peut-être réfléchir à comment le renforcer, lui donner plus de pouvoir si ça fonctionne. Merci. Alors, j'interviens plus en termes de membres du comité d'éthique du CNRS. On est en train de préparer une recommandation sur justement le data sharing. Et qui, après avoir réfléchi un petit peu à tout ça et regardé les différentes chartes dans la communauté scientifique, on s'aperçoit qu'en fait, le data sharing, ce n'est pas l'open data. Mais la question... Non, ce n'est pas exactement la même chose. Et la question que nous nous posons et qui est ouverte, je voulais savoir si actuellement il y avait des discussions au sein de d'Etalab, c'était de savoir... Mettons un chercheur. Un chercheur, il a envie de diffuser à un moment donné, il a envie ou il n'a pas envie, mais peu importe, il diffuse des données. Maintenant, il est pris dans un certain type de... une spirale, voire des contradictions entre les données scientifiques peuvent être des données publiques, mais les données publiques ne sont... plus exactement, c'est l'inverse. Les données scientifiques peuvent être des données publiques, mais pas toujours. Et je dois dire que ça va compliquer énormément, on va dire, une forme d'injonction. S'il vous plaît, ouvrez vos données, elles peuvent servir à l'ensemble de la société, etc. Franchement, un chercheur de base, il commence à s'arracher les cheveux, à savoir s'il est dans la donnée publique ou la donnée scientifique, plus ou moins protégée au sein de consortiums, etc. Et là, il y a un vrai, vrai débat, un vrai chantier à ouvrir. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui s'occupe de ça au sein de Etalab.
Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'on est, encore une fois, on est une toute petite équipe. En revanche, on a abordé ces sujets-là, puisque l'an dernier, on a ouvert 6 grands débats thématiques, justement, pour identifier quels sont les problèmes qui se posent dans certaines verticales ou quelles sont les données les prioritaires, enfin, avec le plus d'impact à ouvrir. Donc, on en a lancé 6. Donc, il y en avait un sur le logement, il y en avait un sur les transports, enfin, à chaque fois des problématiques particulières, mais il y en avait un justement sur la recherche. Et du coup, il y a eu des discussions. Alors, ce n'est pas moi directement qui ai suivi ce dossier, enfin, ce sujet. Et du coup, il y a eu un certain nombre de colloques aussi qui ont été organisés par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, dans lequel ces questions-là particulières étaient abordées. Donc, vous n'en avez peut-être pas entendu parler. C'est pas allé certainement assez loin, mais du coup, effectivement, enfin, là aussi, ces questions-là, faisons-les remonter pour du coup essayer d'apporter les clarifications qui seront nécessaires, parce qu'en effet, il y a des sujets qui... Oui, oui. Je crois qu'il... Je vois des gens aller à la porte, alors du coup, je ne sais pas. D'accord. Si c'est un intérêt des moments pour le sujet. Juste... C'est juste une seconde, mais pour aller dans un sens positif, après avoir parlé pas mal de la Red Pill, le wiki de République Citoyenne, c'est un outil pour les organisations qui veulent faire passer un certain nombre d'idées. Donc, parmi celles que vous avez évoquées, des transformations liées à la CADA, des questionnements liés à l'ouverture des données scientifiques, ça fait partie des choses que vous pouvez venir discuter. Alors, c'est vraiment le but, c'est vraiment de discuter. Au sein de cette plateforme. Voilà, donc si vous voulez, vous allez sur le site de la République Citoyenne, vous écrivez à l'adresse de contact en expliquant quelle est l'organisation qui a envie de participer, et voilà. Je crois qu'il faut vraiment qu'on arrête, mais merci du coup. Et donc les prochaines étapes, voilà, c'était un premier tour d'échauffement pour nous, donc voilà, c'est vraiment intéressant de voir ce qui émerge. Continuez à regarder le site d'Etalab, parce que les discussions qui ont émergé là, ça nous donne déjà une première base, et du coup, essayons vraiment d'aller plus loin et de les poursuivre, alors soit en ligne, soit ailleurs, soit dans d'autres ateliers, mais je vous invite vraiment à suivre voilà, ce qui va se faire, parce que je pense qu'il y a des choses vraiment riches qui en émergeront. Voilà, moi je dis juste un petit mot donc sur dans le cadre de l'EGP sur les consultations. Donc il y a en effet plusieurs choses. Il y a toutes les consultations qui vont être réalisées par la société civile et vivement que la société civile se mobilise. Lancelot en est un exemple. Il y a vraiment d'autres initiatives aussi qui sont faites par d'autres personnes de la société civile, d'autres associations. Et je pense que toutes ces initiatives vont vraiment être très importantes pour nous et contribuer à nous aider à construire le plan d'action. Nous, de notre côté, on va, comme disait Laure, organiser des ateliers. Alors là, c'était un grand tour de table, très général, parce qu'on est toujours dans une phase de cadrage, on n'a pas encore notre planning, etc. Mais après, ce sera des ateliers plus thématiques. Voilà, en effet, on mettra tout sur le site d'Etalab si vous êtes intéressé pour y participer. Et à côté de ça, donc, y a la consultation en ligne du CELUM que nous, on organisons, le wiki de Lancelot et toutes les autres initiatives. Mais on a besoin de vous pour remplir ce plan d'action. Et c'est avec l'administration qu'en poussant vos idées, nous, on est le chaînon en fait, pour pousser vos idées vers l'administration et pour que l'État puisse prendre ses engagements vers un gouvernement plus ouvert. Merci. Et même des suggestions pour améliorer le format des ateliers, on prend aussi indépendamment de la logistique. Merci à tous.